Ces trois étapes. Qu'il ait été enfant, qu'il ait été jeune et qu'il devienne un adulte. Si moi, vice-gouverneur de la province, détenteur de ce dispositif de l'état de siège, je ne parviens pas à réaliser cela, ce que j'ai échoué. Et pour que je ne choisisse pas, que dois-je faire ? C'est de permettre que cela se fasse en faisant revenir la paix. Les choses ont commencé en 1994. Vous le savez bien. En 1994. Aujourd'hui, il est 2021. Faites le calcul. Ça fait combien? 27 ans. Une génération, combien d'années? 30 ans. 25 ans fois 4, ça fait centenaire. Une génération, c'est 25 ans. Donc un enfant qui naît, et au moment de passer à la deuxième génération à 25 ans, il est toujours sous le piédestal de la guerre. Et c'est normal, ça. Croyez-vous que ce jeune homme à 25 ans pourra produire quelque chose de parfait, quelque chose de comparable avec une province comme le Haut-Katanga, comme le Kassai, où il n'y a pas eu de problème, sauf évidemment là où il y a eu Kamouna-Sapou? Croyez-vous vraiment ça? L'état de siège pour vous, la jeunesse, c'est de vous permettre de vivre une vie saine, une vie normale. Car la vie que vous avez vécue de 1994 à aujourd'hui, ce n'est pas une vie normale. C'est une vie anormale. Il y a mon ami avec qui nous sommes nés ensemble, lui dit anormal. C'est une vie anormale. Vous allez à l'école sous. Vous allez à l'école sous les balles qui sifflent. Vous devez courir parce que il y a des bombes armées qui arrivent. Voyez-vous qui sont encore là? Les ADF d'aujourd'hui, les FDLR d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Ce sont nos cousins, ce sont nos frères qui s'abreuvent de cette idéologie et qui font des exactions en relation avec certains dont on tait expressément les noms. C'est ça la guerre que nous avons. Et le président l'a dit tout à l'heure. Si nous ne nous mettons pas tous ensemble, ce sera difficile. La guerre n'est jamais... La bataille est l'affaire des militaires. Mais la guerre n'est jamais l'affaire seule des militaires. La guerre, elle est militaire, mais la guerre est économique, elle est politique, elle est sociétale. Si vous venez auprès de l'armée, alors nous allons gagner la guerre. Si vous dénoncez vos cousins là, qui ont accepté cette idéologie venant d'ailleurs, alors nous allons gagner la guerre. Mais si vous ne venez pas près de nous, une guerre sans population, une guerre sans appropriation, elle ne sera pas gagnée. Elle risque de prendre beaucoup de temps. Et vous allez nous en prendre à l'armée, à la population. Mais nous allons vous engager, nous allons vous embaucher. Vous deviendrez militaire, vous deviendrez policier, et vous verrez de quoi elle retourne. La criminalité. Vous avez dans vos maisons des enfants qui ont mal tourné, qui n'ont plus les repères, qui ont perdu leurs repères, qui n'ont pas fait une bonne jeunesse. Et ils sont là. Ce sont des boiveurs, comme je disais tout à l'heure, des boiveurs de bêtises. Bombay, le Maï Maï. Vous ne voulez pas les dénoncer.
Joseph. Maintenant, il n'y a pas de moment. Si je dis ces jeunes gens, on vous demande de les dénoncer, vous ne voulez pas. Mais vous savez que les 40 voleurs sont là. Mais vous ne voulez pas les dénoncer. Mais nous avons quand même fait des investigations. Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la police. Et nous sommes en train d'aller tout doucement, de victoire en victoire. Pas à pas, mais petit à petit. Où sont les 40 voleurs? 20 voleurs ou 40 voleurs? 40. Où sont-ils? Où sont-ils ces gens-là? Chaque fois que j'avais le bulletin de sécurité, c'était toujours 40 voleurs. 40 voleurs, 40 voleurs. C'est fini depuis un bout de temps. Les 40 voleurs n'existent pas. Est-ce que ne serait-ce que pour ça, vous ne pouvez pas reconnaître la police? Bon, mettez la police. Nous avons plus ou moins 4000 rendus avec des armes à Mubambiro et à Mangaro. Oh non, vice. Bon, là, on a un spécialiste et il y a je réitère la parole du commandant suprême de forces armées démocratiques du Congo et de la police nationale congolaise. Et pas les alliés Bima, sont communiqués comme Yawana ou Kanayo. C'est ce que j'ai dit aux gens. Et ici, dans la province, il y a plein, hein, un vieil gars qui a dit quoi, là, on a levé, on a. Là, on a eu pour la raison. C'est la trop. Ces gens-là, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et nous allons commencer. Vous suivez les opérations, pays. Donc, on fait des malins, des malins. Demain matin, si vous n'êtes pas content du général, on y changer, là, par contre, vous souffrez. Thank you.
Il faut appuyer l'état de siège. Il faut appuyer l'armée, appuyer la police. Et ce n'est que comme ça que nous verrons la lumière poindre à l'horizon. J'ai essayé rapidement de lister quelques actions. Réduction significative des éléments de groupes armés et récupération des armes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Récupération des espaces territoriaux longtemps sous contrôle des groupes armés. Mwanika, par exemple, en ce moment. Réouverture des itinéraires jadis infréquentables. Les routes ici, vous ne les fréquentez pas aujourd'hui. Les routes sont devenues fréquentables. Il y a des convois. Est-ce que vous voulez ma côté? Petite chère, vous voulez ma côté? Parce que le monde dit ma matin ma côté. Retour progressif des populations. Nous nous sommes battus ici. Il y a eu une éruption volcanique. Nous avons accompagné notre population. La population est partie. Sont logés à Sake, à Munigi, Kibumba, partout. Sans l'aide de la communauté internationale, je vous le dis, Angoy, cette fois-ci, vous venez à Angoté, nous-mêmes, le gouvernement national, le président de la République, le gouvernement national et le gouvernement provincial, nous avons travaillé. Nous avons ramené les populations. Attends, je suis là-bas, Briwana. Oh, bah, Briwana. Il nous fait à salir avec toi. Waya! Au moins, nous salir à Bri. Mille à Bri, ma tococota. Petit à l'aide, nous disons, il y a un petit peu de petit. Ah, bref. Mais ça, dit ça, papa. La vie est pour ça, 1500. Hein? Pour les macanans, non, pour une fois, les ONG humanitaires va l'aider à la fâcher. Oh, mais vous ne nous en souciez pas. Tu vas soucier de l'année. Tu vas soucier de l'année. Oh, mais vous nous en viens pas. Nous avons travaillé nous-mêmes cette fois-ci. Sauf que ce monde est compliqué. Vous ne pouvez pas. Interpellation et mise à l'écart des officiers mafieux. Maintenant. C'est comme le passé militaire qui t'appelle dans la canaille. Vous avez vu la grande mission de l'inspecteur général de forces armées et IAO. Bambreke Bayaya. Bambreke Bayaya. Ma paquet là, dans ma palais, dans ma bureau, dans ma limite. Vous comprenez ma vie. On a le nom de la gâche, on est à la gâche. Sauf qu'on a la gâche, elle est boulot, elle est dans le chemin, elle est à mettre, elle est à mettre. Et mon cousin qui parle, il a toujours été dans. Ah oui, t'as moi qui n'a rien sur les billets. Ma brinque là-haut. Vous avez entendu les grades à partir de four colonel qui n'a cessé de l'aider. On a la tatou maman côté et ça a des yombé. Et on a des yombé. Suite à la roman ou anna. Oh, bah, y'a eu un brégué par vous. Oh, ça va la fête, on a fait la retraite. C'est maman qui disait sa retraite, c'est la retraite. Il veut t'acheter la retraite. Il y a des officiers généraux qui vont aller à la retraite. Attends. Oh, nous sommes dans la Yondouliaka. Le président Joseph avait une formule à jouer à l'opérateur qui pour ma soeur, comment vous encore, je comprends pas le sujet. Donc, il dit pour maman, il y a Lyon, il y a Lyon, il y a Lyon. Tout
chose. Ah. Les officiers mafieux, là, nous les avons aidés. Récupération des armes et munitions au travers des opérations de bouclage et de perquisition. Nous y voilà. Nous y voilà. Bonjour Boudé. Oh non, viens là, voyons le mec, qu'on va y bomber dans la 23 heures, il s'arrête. Mais si tu sais, il faut aider. 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 On y est, c'est un grand esprit, c'est ah, domino, je vois, ils sont bas, mon Dieu. Voilà. Il faut travailler. Il faut bouclage. Nous avons un étudiant. Aujourd'hui, nous sommes bombés la 23 heures. On y va au bombé, bombé. Pour vous le faire et pour continuer à y aller. Ok? Ah non, on y va là. Là, vous êtes là, vous êtes là. Pourquoi il y a un mois? C'est pourquoi tu reviens à l'équipe. Parce que si on ne passe pas par le bouclage, on ne passe pas par la perquisition, on ne saura jamais avoir ces gens-là. Parce que vous m'avez la tête à la population. C'est ainsi que les gens sont bouclés. Tu l'as ici 2, 3, 4, les jours, tu dis pas moi, ah non, ma maman s'est dit la zone. Dans la zone, on se marre, vous l'aider. Et c'est comme ça. Donc, perquisition dans bouclage, il faut continuer. Bombé, ils sont bombés là, biscuit là, bombé là, mon primaire là, pourquoi tu n'as pas l'air? Pourquoi tu n'as pas l'air? Pourquoi tu n'as pas l'air de l'initié? Mais c'est pourquoi ça, ta page, on dit, on a fait là, ton point de vue quand même. Diminution sensible de la criminalité urbaine. Phénomène des 40 voleurs, je vous en parle ici. Renforcement de l'autorité de l'État suite à la mise hors circuit du mouvement de désobéissance civile qui commençait à devenir une culture. Bon, est-ce que la Bible vous a étudiant, vous avez la chair? Vous avez la chair? Oui. 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 Mais comment est-ce que tu dis beaucoup voyez, font beaucoup de monde voyez, aller avec des discours inutiles, au nom qu'on fout la parenté. Et puis, vous sommes libres. Vous savez que là, bâton, vous voyez. Vous prenez un bouton pénal, jeune, nous sommes zéro, nous attendons, vous voyez, pour remplacer dans les gouverneurs. Bah, la vie, on fout la parenté, yo, ok, on fout la parenté. Est-ce que c'est normal? Où est le civisme, mes frères et amis? Où est le civisme?